Bonjour, est-ce qu'on peut avoir une note, s'il vous plaît ? Il faudrait que M. Moscovici arrête d'éclairer le passé, parce que tout d'un coup, il se rende compte qu'il est ministre de l'économie. Et quand il se rendra compte qu'il est ministre de l'économie, il se rendra compte aussi que les agences de notation, elles regardent la politique française depuis les 6 ou 7 derniers mois. Et ils voient quoi ? Ils voient une absence de choix politique en termes d'économique, et ils voient des têtes à queue sans arrêt. Il n'y a pas de virage, c'est des têtes à queue sans arrêt sur la nature même de notre politique économique. On a déjà réduit considérablement les dépenses publiques dans ce pays. Maintenant, l'agence nous dit, mais c'est le code du travail qu'il faut démolir. Arrêtons les contrats à durée indéterminée. Arrêtons de protéger les travailleurs. Donc, il ne faut pas écouter ces agences. Stop. Il faut reprendre le chemin d'une véritable politique de gauche. Ce dont on a besoin dans le pays, c'est justement de l'emploi stable, bien rémunéré. C'est une relance industrielle avec une participation de l'État dans certaines branches. C'est ça la politique dont on a besoin aujourd'hui. Donc, n'écoutons pas les agences de notation. Écoutons les salariés et la France ira beaucoup.